enfin fini. Ah, il y avait encore une gorgée de café à l'intérieur. Bon. Bonne nuit, Manille. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à demain. Bon, j'ai enfin la paix. Peut-être que je finirai enfin mon projet aujourd'hui. Il ne me reste plus grand-chose. Et après, je sors d'ici. Ouais, c'est fait. Je suis passé. Rien de tel. Enfin, je suis libre à nouveau. Oh, mais ça va encore très loin. J'espère ne rien me casser. Et au revoir. Bonjour. Bonjour, Martin. Bon, d'abord, je me fais mon café. Petit déjeuner, Manille. Manille, le petit déjeuner. Allez, viens chercher ton petit déj. Oh non, Martin. Oh, j'ai aussi le droit à un petit déjeuner. Oh bah c'est vraiment gentil. Manny s'est enfui. Quoi? J'y crois pas. Comment cela pourrait-il arriver? Où a-t-il trouvé cet outil? Mais maintenant j'ai besoin d'une grosse gorgée de café. Il faut partir à sa recherche immédiatement. Nous avons une évasion de prisonniers. Envoyez une alerte de recherche. Vous commencez immédiatement et regardez dans son appartement et vérifiez les environs. Vous restez ici et prenez toutes les empreintes. Je dois faire des appels très rapidement. Ce soir, le criminel Manny Crapouille, connu dans la ville, s'est échappé de la prison de Haouzac. Sa trace n'a toujours pas été trouvée. La police demande à la population de l'aide. Veuillez contacter directement la police de Haouzac. Oh non, c'est pas possible! Oula! Martin aura beaucoup de stress. J'espère qu'ils le trouveront très vite. Je n'en peux plus. Nous avons cherché Manny toute la journée et aucune trace de lui. Ça, c'est très fâcheux. Peut-être que quelqu'un l'a aidé. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve. Peut-être qu'il s'est caché à la maternelle. Je ne crois pas. Nous avons regardé ce matin. Ou peut-être qu'il est retourné chez Mamie dans son jardin. Oui, nous avons aussi regardé. Il n'y est pas. Je dois dormir maintenant et demain, on continuera. Ah ah ! Crapouille s'est envolé hier matin pour l'Amérique du Sud, avec une fausse identité. Nous pourrions déterminer cela avec l'aide d'une caméra de sécurité. S'il vous plaît, envoyez-moi toutes les informations disponibles. Merci. Il y a des nouvelles ! Manny s'est envolé pour l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud ? Ça peut pas être vrai ! Oh, je crois que c'est fini avec le cas Manny Crapouille. Malheureusement, nous ne le verrons plus jamais. Nous aurions dû le surveiller de plus près. Ah ah, intéressant. Il a payé avec sa carte de crédit. Ah bon, très bien. Oui, bien. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pensé à ça. Il reste encore une trace. Manny a commis une erreur et a payé avec sa carte de crédit. Cela laisse des traces. Maintenant, je contacte immédiatement les autorités de police locales. Et au fait, réservez-moi un vol. Jamais j'aurais cru que j'en arriverais là. Sarah, jamais. Tu dois vraiment y aller, Martin. Ne peux-tu pas engager quelqu'un d'autre à sa recherche? Non, je vais le faire moi-même. C'est une affaire de patron. J'aime toujours prendre soin de nos criminels permanents personnellement. En outre, il est également intéressant de voir comment nos collègues travaillent à l'étranger. Ouais, bon, ben, d'accord. Au revoir les garçons, je serai bientôt là. Au revoir papa, salut papa. Au revoir toutes les deux. Au revoir, et habille-toi, et mets quelque chose de plus confortable pour le vol. Tu as raison, je vais le faire. Martin, je me fais du souci pour toi, et si jamais il t'arrivait quelque chose? Mais je ne partirai pas pour longtemps, et je ferai attention à moi, t'inquiète pas, promis. Commissaire Overbeck, le billet d'avion, et bon voyage, merci beaucoup.
Hola, señora Burbank. Espero que haya tenido un buen viaje. Bienvenido. Le mieux est de commencer sa recherche. Nous ne devons pas perdre de temps. Nous sommes là. Hola, auriez-vous vu cet homme par hasard? Él tenía un sombrero de lana con todo ese calor que hace aquí. Il a dit qu'il était là. Il s'en rappelle bien parce qu'il avait un bonnet et qu'il fait pas mal chaud ici. Et il n'a pas dit où il allait? Non. Ok, merci. On peut demander à ce vieil homme. Il est assis là toute la journée. Il l'a sûrement vu. Hola, auriez-vous vu cet homme par hasard? Non. Bon, eh bien, on n'avance pas trop. Mais j'ai une idée. On peut aller au supermarché à côté. Savez-vous ce que cet homme a acheté? Il trajo una caña de pescar. L'homme dit qu'il a acheté une canne à pêche. Une canne à pêche? Ah ah, intéressant. Où est-ce qu'on peut pêcher dans les alentours? Il y a un lac pas loin. Mais c'est très difficile de l'atteindre. C'est pas grave, je voudrais y aller. Ok, allons voir. Bon, à partir de là, il faut marcher. C'est pas trop loin. Oh là là, un gros buisson! Jamais j'aurais cru que je serais parti chercher Manny Crapouille en Amérique du Sud. Ah! Un serpent! Ah oui, oui, il y en a partout des serpents ici. Oh. Eh ben dis donc, votre lieu de travail est très dangereux ici. On est bientôt arrivé. Voilà le lac. Ah! Enfin! Je peux enfin me détendre. Le beau soleil d'Amérique du Sud. Un hamac et de la boisson fraîche. Et je peux pêcher du poisson autant que je veux. Que demander de plus? Je ne remarque personne. Qu'est-ce qui se passe? J'y crois pas! Je rêve ou quoi? Non mais, c'est pas possible! C'est vraiment lui! Mince! C'est Overbeck! J'espère qu'il ne m'a pas remarqué. Ah mais, si si, c'était bien quelqu'un. Là, derrière. Un perroquet. Qu'il est beau. Ah oui, ici, il y a pas mal d'animaux exotiques. Par contre, ça... Ah, j'y crois pas. Écoutez, on peut y aller des deux côtés. Sors d'ici, Manny. On t'a vu. Tu es en état d'arrestation. C'est pas vrai. Overbeck. Y a pas un endroit sur Terre où on peut pas vous trouver? Non, pas toi. Je fais mon travail très à cœur. Et c'est pour ça que tu vas venir avec moi. Enfin de retour à la maison. On n'est pas bien ici, Manny. Nous t'avons même mis un nouveau sol avec une plaque métallique sécurisée infranchissable. Attention, papa! Attention, papa! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, donnez-nous un coup de pouce. Abonnez-vous à cette chaîne. Et voilà également d'autres vidéos de nous. Au revoir!